I got you forever. Happy birthday, Soma. Well, I have known you for years now, and I can firmly say you're a good friend. You're kind, you are very, very funny, you are free spirited. I pray that God will increase you in all sides and bless you beyond your expectations. Salut à tous et bienvenue encore si je vous ai une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jésus News est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Oui, ici nous sommes spécialisés en Congo, ça maman. Hey, est-ce que vous avez écouté ce que Regina Daniel a dit dans cette vidéo, maman? Hey, le couple de Regina Daniel et Soma, non? Ah, ça c'est un couple à ne pas oublier, maman. Elle a bien précisé, je suis derrière toi pour toujours, pour toujours. Et aussi, la copine de Soma Dina aussi a aussi fait une vidéo. Ah, j'ai vu toutes les copines de Soma Dina, ils sont sortis. Ils ont dit, c'est mon message qu'on doit entendre sur les médias. Oh. Voilà alors ce que celle du Ghana a écrit. Joyeux anniversaire, mon amour. Hey, elle a mis bisous, bisous, elle a mis le cœur. Soma Dina est encore venue dire, mon amour, hey, merci beaucoup, tu es une femme forte et tu es une reine. Hey, ça c'est celle du Ghana, quoi. Bon, et aussi, pour vous annoncer que Soma Dina a acheté une nouvelle voiture, maman, je ne sais pas, il y a un petit Congo sac derrière la voiture, mais je n'ai pas encore confirmé, maman, et je ne peux rien dire. Bon, il a acheté une nouvelle voiture et il a dit que c'est son cadeau d'anniversaire à lui-même. Et voilà alors ce que Regina Daniel a écrit. Elle a écrit ceci. « Hey, notre voiture est finalement arrivée. » Donc, je vais mettre tous les captures ici pour vous de voir et les messages de Regina Daniel et tout et consorts, maman. Et le couple de l'année. Soma Dina a fêté comme un prince, maman. Hey, hey. Les joyeux anniversaires. Tous ces copines-là, ils se sont levés. Ils ont dit, maman, c'est ma part le message qu'on doit entendre. Mais c'est la vidéo que Regina Daniel a fait là qui m'a vraiment plu. La vidéo elle a été vraiment sucrée. Surtout quand elle a dit, je suis derrière toi pour tout, pour toujours. Bon, Soma Dina, c'est un garçon, je veux dire quoi. Oui, il est frais, il est mignon, oui, oui. Et pardon, je l'apprécie seulement, je suis moi mariée, oh. Il est frais, il est mignon, et les jeunes filles, surtout du Nollywood, là, les yeux, là, c'est toujours sur Soma Dina. S'il ne veut pas aussi se marier, peut-être il n'est pas encore prêt pour le mariage, étant donné que sa copine Regina Daniel, sa ex-copine aussi là-bas, peut-être il a encore l'œil, et aussi, peut-être il sait pourquoi il attend encore, peut-être il n'a pas encore trouvé celle qui va mettre vraiment la bague, parce que tout le reste là, c'est seulement les copines, le Jacob mange l'haricot, et puis ça va là, bon, mettre la bague, il n'a pas encore mis la bague sur la main d'une fille, quoi. Bon, nous aussi la question, pourquoi est-ce que Regina Daniel n'a pas mis la photo de Soma Dina sur sa page? Oui, parce qu'elle a souhaité joyeux anniversaire, mais si vous allez sur sa page, vous n'allez pas voir la photo de Soma là-bas. En tout cas, pour moi, j'analyse ça comme elle respecte son mari, parce que oui, son mari avait déjà mis point bas, quoi. Bon, nous allons aller sur le cas de Davido. Vous savez, Davido a fêté l'anniversaire de sa première fille, Imade. Et partout sur les médias, et c'est le buzz de Davido. Davido a acheté la Range Rover. Ça, ce n'est pas que c'est le buzz que Davido cherche, quoi. La Range Rover à une petite fille comme cela, maman. Les gens qui n'ont même pas encore touché les clés de la voiture ont dit, ah, Davido, tu veux nous envoyer où? Tu veux que nous fassions quoi? Une petite fille qui n'a même pas encore 8 ans, qui n'a même pas encore 10 ans, tu l'achètes la Range Rover. Elle ne peut même pas conduire, maman. Il y a les chauffeurs par-ci, par-là, là-bas. Il va conduire sa fille dans la Range Rover. Davido, il veut déjà. Donc, pour moi, je me dis que quand tu as ton argent, oui, si tu es un papa ou bien si tu es une maman, tu as ton argent. Ça ne sert à rien de garder l'argent, garder, garder. Parce que même si tu pars là, il y a certaines familles que même si tu pars là, ils prennent l'argent là. Même
s'occuper de tes enfants, même. Ils ne peuvent pas. Donc, pour moi, je l'ai vu Davido comme un gars ou bien un homme qui aime vraiment ses enfants, malgré tout ce qui se passe sur les médias. Il s'occupe de tout. Donc, tu n'as pas encore compris que, à part celle qui est au Nigeria, qui a fait le test d'ADN dernièrement, jusqu'à on disait que Davido a dit c'est pas pour lui. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a déjà peut-être 9 ans ou 10 ans comme cela. Mais pour cela, Davido avait déjà dit que ce n'est pas pour lui. Il parle de la fille qu'il avait trouvée en boîte de nuit. Un coulasse. Bon, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez sur ma chaîne, juste loin en bas là. Vous allez voir la vidéo concernant cette fille et Davido, une fille qu'il avait pris en boîte de nuit au Nigeria là-bas. Bon, l'enfant de a 10 ans et Davido avait dit que ce n'est pas pour lui. Mais à part ça, tous les enfants là, les Imade, Ifani, l'enfant de la plus belle et tout, il prend correctement. Bon, il fait ce qu'un père doit faire à ses enfants. Bon, la fête de la reine chauve à maman. Hey! Une petite fille comme celle-là de la reine chauve à maman. Donc, à l'âge même de 10 ans, 12 ans là, non? Elle serait que dans quoi, maman? Hey! Peut-être que David va l'acheter la jet privée à l'âge de 10 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose de bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose de bien. Tellement bien de ses enfants et les gens parlent de ça, maman. Il y a certaines personnes qui sont sur les médias, ils veulent seulement. Ils disent que Davido veut montrer que quoi? Qu'il est en train de chercher le buzz. Que comment est-ce que quelqu'un peut retirer les millions pour aller acheter la reine chauve à un enfant qui ne connaît pas les cadeaux des bébés, maman? Ce qui est sûr, c'est que l'enfant a eu tous les cadeaux du monde. Parce que même l'année passée, comme vous pouvez constater sur cette photo, il avait fêté jusqu'à ce que, quand il est rentré à la maison, il y avait toujours PB entre lui et Chioma, que pourquoi est-ce qu'il allait à l'anniversaire jusqu'à danser collé avec Sofia Mouhamadou, le jour de l'anniversaire de sa fille. Bon, ça, c'est une photo de l'année passée, quoi. Et l'année passée, il avait fait beaucoup de cadeaux. Peut-être l'année, s'il a dit, ah, il va donner quoi à sa fille? Peut-être il a réfléchi, réfléchi, il a vu que sa fille a tellement de cadeaux. Et il a acheté la reine chauve. Selon moi, selon mon point de vue, donc vous pouvez laisser pour vous de point de vue sur les commentaires. Et venez voir alors comment Sophie a été contente, maman. C'est même elle qui faisait la vidéo. Hey! David a écrit ceci, joyeux anniversaire, ma fille, ma princesse, voilà. Et il faut enjoy ta voiture. Voilà ce qu'il a écrit. Maman, les médias ont seulement porté que quoi, maman? Juste qu'il dit qu'il faut enjoy ta voiture. Petite fille de quel âge, maman? Là où Sophie est là-bas, ses pieds ne touchent plus le sol. Maman, même si c'est toi, même si c'est toi, tu dois faire comment? Voilà ce que David a écrit le jour de l'anniversaire de sa fille. Même si c'est toi, tu dois faire comment? Il a bien précisé, enjoy ta voiture. C'est pas donné à n'importe qui, hein, maman. La reine chauva. Et comme les Miss Congo sont là, ils sont toujours spécialisés pour partager. Bon, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, oui, pour que notre communauté puisse bien bien s'agrandir. Invitez vos amis, vos copines. Je vous aime comme toujours. Et à nous revoir.